Ok, c'est parti pour ta manifestation sous la constellation du lion. Troisième activation, de la balance aux poissons. Ils n'ont pas eu leur deuxième activation, les pauvres, sur le théraphone. Merci pour euh, le vocabulaire. J'avais complètement oublié comment le dire. Euh, Qu'est-ce que tu manifestes sous la constellation du lion il n'y aura pas d'extension, ma chérie, tout simplement parce qu'on va les garder, les extensions pour les lectures collectives. Vous êtes 12 000. Donc, euh, je vais devoir faire euh, des lectures collectives régulièrement. OK. Pour savoir un petit peu quel est le pouls des gens qui me suivent et vous servir au mieux. Et toujours être passionnée par ce que je fais. Sinon, je ne le fais pas. <laughs> vous pouvez vous commander votre lecture privée, relationnelle, si vous le souhaitez. Elle m'a énormément été demandée, cette lecture. Vous pouvez vous la commander dorénavant sur www.thecosmicjoker.fr. Une lecture, une relation, parce qu'il faut qu'on reste très précis dans, dans la lecture que vous me demandez. OK. C'est parti. Qu'est-ce que tu fais sous la constellation de Jolo J'entends quelqu'un dire à quelqu'un d'autre, euh... je suis partie sans te dire au revoir, je reviendrai certainement sans te dire bonjour. C'est la chanson de Dinos. Je crois que la chanson de Dinos s'appelle au revoir, c'est marrant. Je sais pas comment ça va te parler, ce truc. C'est étrange. Que se passe-t-il? Waouh, le roi du denier, en poisson, en maison 3. Euh, tu concrétises quelque chose au travers de tes communications, au travers de ta mobilité, de ta liberté, de ton autonomie, de ton sens de l'inclusion. Tu concrétises une souveraineté physique, relationnelle, matérielle et financière en te présentant à la vie telle que tu es et euh, en arrêtant d'attendre, peut-être. Le roi du denier nous dit ça ici. Tu mets ton intuition au service, ou tu mets plutôt tes communications au service de ton intuition, et se joue pour toi une expansion en face, en vierge, en maison neuve, de ton quotidien de vie, de travail, de santé, de soins, de service de bien-être aux personnes comme aux animaux. Il y a quelqu'un à qui tu voudrais communiquer euh, ce que tu ressens de votre relation en espérant pouvoir voir cette relation s'illuminer en fait. C'est comme si tu pensais que ton état émotionnel pouvait influencer l'état émotionnel de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas le cas. À la place, on te demande de mettre tes émotions que tu voudrais communiquer à quelqu'un au service d'un comportement pouvant participer à ta stabilité. Au cœur de ton quotidien de vie, de travail, de santé, de soins, de services, de bien-être aux personnes comme aux animaux, parce que de cette façon, tu concrétises un nouvel horizon que tu ouvres à ton quotidien et tu vis une véritable souveraineté physique, relationnelle, matérielle et financière immensément plus prospère que celle de laquelle tu viens. Ok, c'est ce que j'ai pour l'instant. La situation. L'âge du bateau inversé. En scorpion, maison 12, projeté en taureau, maison 6. Hmm. Il y a euh, la concrétisation d'une forme de régénération que tu souhaites pouvoir produire au cœur de ton quotidien. Mais c'est comme si tu étais dans l'attente que quelqu'un écrive à ta place sur un canevas blanc, que quelqu'un dessine à ta place l'expérience du quotidien que tu voulais faire. Peut avoir un problème d'énergie, d'inspiration, de motivation ou d'audace. Tu vas l'aider. Et c'est en lien à une précarité psychologique et émotionnelle dans laquelle il est possible que tu sois en train de te maintenir inconsciemment vis-à-vis d'une expérience de séparation, de deuil, de perte, de conflit, de confrontation, de rupture d'équilibre contractuel, formel ou informel, professionnel ou plus personnel. Ton challenge à la classe du denier inversé est de te détacher d'une situation en balance euh, parmi tes relations professionnelle, commerciale, administrative, légale, de santé, amoureuse, maritale, conjugale, familiale ou amicale et de te projeter en bélier en maison 4 pour donner la primeur de ton attention et de ton énergie à un nouveau départ, à une nouvelle dynamique relationnelle, à un nouveau projet pouvant directement impacter la guérison de ton expérience familiale, conjugale, parentale et territoriale en lien à ton foyer, à ton lieu de vie, dans l'occupation que tu t'en réserves. Il y a l'idée d'arrêter de, de croire les promesses des autres et de commencer à honorer les tiennes envers toi-même. Avec plus de force, tu vois ce que je veux te dire? Plus de détermination, possiblement. <coughs> L'influence cachée, c'est le page du bâton. En <laughs> scorpion, maison 11. Une alliance, un soutien, une amitié, un contact, un projet, une action de groupe, un rôle au sein du collectif, de la communauté, depuis lequel quelqu'un veut se représenter à toi après que vous ayez vécu justement une expérience déstabilisante émotionnellement pour toi. OK. Ton intention avec la force véritablement embelliée, invitant le lion à s'exprimer depuis la maison 4 en maison, combien maison 8, de transformer ton expérience familiale, conjugale, parentale et territoriale pour le meilleur. De valoriser ce qui peut l'être et de lâcher le contrôle sur ce sur quoi tu n'as pas le contrôle, tu vas l'aider. Ça te réclame avec l'empereur du bâton d'adopter un comportement. Qui soit celui littéralement en poisson en maison 3, d'exercer ton pouvoir basé sur ton intuition, sur tes ressentis extrêmement puissants et de les communiquer d'une manière ou d'une autre ou de faire en sorte que tes communications, comme ta mobilité, soient guidées par ce pouvoir en toi très intuitif, très passionné, très enjoué. Tu as beaucoup d'énergie à, à donner en fait à, à toute ta situation. On te demande de choisir celle te Comblera sans te plonger dans des relations dans lesquelles il te faille, toi, te promettre tout seul ou toute seule que les choses soient autres que comme elles sont pour te maintenir là où il est possible que tu sois pas le bienvenu. Ce que tu génères à partir de là comme expérience immédiate, c'est le 2 du denier. Beaucoup de joie et un grand pardon apparemment tu manifestes un grand pardon tu te pardonnes comme une expérience créative amoureuse sensuelle sexuelle ou parentale de projet comme d'enfant que tu as pu vivre à un moment donné vis-à-vis -vis de quelqu'un qui était à distance de toi c'est comme si quelqu'un me disait je me pardonne d'une expérience créative amoureuse ou parentale à laquelle je m'étais résignée. Mais qui n'était pas vraiment celle que je voulais vivre parce que je n'étais pas vraiment la personne que je voulais être dans cette histoire. Oh wow. Ton pouvoir, c'est le roi de coupe, en cancer, en maison 7. d'être un acteur de guérison émotionnelle dans tes relations professionnelles comme plus personnelles en te mettant au service de tes, de cette guérison émotionnelle dans tes relations depuis ton expérience familiale conjugale parentale et territoriale en étant indépendant émotionnel et donc en allant vers une indépendance davantage physique, relationnelle, matérielle et financière dans toutes tes interactions ne cherche pas sur qui est-ce que tu peux compter dans tes relations C'est ton pouvoir. Cherche plutôt quelles sont les personnes avec lesquelles tu vas pouvoir entretenir des relations tellement fluides émotionnellement, tellement connectées émotionnellement, que vous pourrez être un véritable soutien les uns pour les autres dans le soutien que vous-même vous venez incarner. C'est un peu un truc comme ça qui se joue. La personne importante de ta manifestation, c'est le roi de l'épée en bélier, en maison 4. C'est quelqu'un qui s'exprime apparemment euh, sur la scène de ta vie familiale, conjugale, parentale ou territoriale, ton foyer, ton lieu de vie. C'est très bizarre. C'est quelqu'un qui s'exprime, c'est quelqu'un qui, d'une manière ou d'une autre, avec... Euh, Mars en gémeaux décide de, de par son pouvoir de communication au cœur de son quotidien, de t'adresser une communication à toi qui est censée être soutenante depuis la scène de sa vie professionnelle, vocationnelle et contributive. Et le but de cette personne est de pouvoir te soutenir dans une expérience physique, relationnelle, matérielle et financière, qu'il est possible que tu aies saboté à un moment donné en ne prenant pas euh, les pleins pouvoirs qui se cachaient derrière certaines responsabilités que tu voulais encore continuer peut-être de déléguer encore un peu. C'est étrange. Comment tu vois cette personne comme le soleil? Comme quelqu'un de magnifique, vraiment. En capricorne, en maison 2, invitant le lion à s'exprimer en maison combien? En maison 9. Tu as un véritable soleil dans le monde. C'est comme ça que cette personne te voit. Et c'est une personne qui s'évertue à vouloir te faire comprendre que tu dois pouvoir exercer en pouvoir une autorité sur la scène de ta vie professionnelle, vocationnelle et contributive, n'importe lequel, pourvu que ça puisse impacter, pour pouvoir voir que ça impacte directement ta vie physique, relationnelle, matérielle et financière pour le meilleur en termes d'expansion créative, amoureuse et parentale. Tu dois pouvoir utiliser l'énergie du soleil en Lion. Tu dois pouvoir utiliser l éner ton énergie. D'inspiration, de motivation, de créativité, de sensualité, de sexualité, d'amour et de parentalité, de projets comme de bébés d'amour, au service, utiliser cette, cette énergie et la mettre au service d'une expansion professionnelle, vocationnelle et contributive, parce que l'acceptation de ton incarnation passe par là, parce qu'elle passe par là pour nous tous. C'est comme si le roi d'épée te disait ⁇ mais t'as pas le choix en fait ⁇ et t'es en train de perdre du temps et de l'énergie. À quoi je sais pas À fuir peut-être. <laughs> euh, apparemment ce que tu manifestes, c'est le 7 de l'épée, inversé. T'arrêtes de fuir. Et tu décides de partir de cette énergie que le roi d'épée s'évertue à te, à te montrer. Pour pouvoir te proposer une expansion d'une simplicité et d'une évidence phénoménale au moment où tu t'y mets. Le 7 de l'épée se trouve en verso en maison 3, projeté en lieu en maison 9, tu communiques au monde quelque chose. Quoi Ce pourquoi tu étais né L'étoile. Ton incarnation à toi de la guérison de l'intuition, des prémonitions. Dans ta façon à toi de les canaliser. Certains vous êtes des artistes nés, Pff, la musique, la peinture, l'écriture, peu importe, tu as l'idée. Et d'autres vous êtes des médiums ou des clairvoyants ou vous êtes tous clairvoyants en fait dans cette histoire c'est qui est marrant. Mais euh... d'autres encore vous avez des magasins et vous rencontrez des clients et jusqu'à présent il y avait un accueil que vous leur réserviez qui n'était pas tout à fait ça, tu vois l'idée? Et votre accueil de vos clients change complètement. C'est comme si vous receviez le Christ dans votre magasin, ça change toute la donne pour vous. Vous vous en rendez possiblement pas compte. Pour d'autres encore, vous avez d'autres activités, ça peut être le fait, je te dis une bêtise, je vois une boutique de charcuterie, de boucherie. Et c'est un peu pareil, tu vois, c'est un rapport à l'action dans le monde qui est qui est totalement chaleureux, en fait. Vous ne vous, vous ne vous restreignez plus à ce que vous croyez qu'il faille faire, comme il faille le faire. Vous vous posez la question de comment est-ce que vous auriez le plus envie de faire ce que vous faites déjà. Et ça change toute la donne. Vous vous révélez à vous-même. En croyant vous révéler au monde, mais le monde, le roi de l'épée te dit, il savait déjà. Hum, C'est marrant. C'est de toi qui, possiblement, n'était pas tout à fait au courant. <laughs> ok, quel est le message du roi d'épée <coughs> No one understands me but you. Personne ne me comprend sauf toi. Sauf toi des gens qui te disent que personne ne les comprend sauf toi. C'est <laughs> ça, ça que le roi de l'épée te dit. Euh... Un conseil Tu verras ce que tu fais, bien entendu. Clear Mind. Euh, essaye de balayer un peu tous les doutes qui pourrait y avoir dans ton esprit. Parce que tu sais et tu connais que tu es correct vis-à-vis -vis de ce que tu te proposes dans ta propre vie. Tu peux pas te tromper sur ta propre vie. Tu comprends l'idée. Tu peux pas tromper de chemin, sauf à emprunter celui de ceux qui voudraient que tu les suives et que ça ne dérangerait pas de te voir te déserter plutôt que de t'encourager à te retrouver et à t'explorer. Pour tous ceux qui vont se demander à l'occasion de cette manifestation ah, mais je sais pas qui je suis, The Cosmic Joker, vous n'êtes pas censé savoir. Pardon, mais vous n'êtes pas censé savoir. Vous croyez que moi je sais qui je suis Vous rigolez j'explore et à chaque fois que je découvre la beauté du monde au travers de chacune de mes relations y compris celle que j'ai avec vous au travers des lectures privées au travers de vos commentaires de vos messages je me retrouve un peu moi-même c'est tout mais s'il fallait que j'attende de savoir qui je suis pour faire ce que j'ai envie et ce qui me passionne de faire bon bah peut-être on meurt et puis Chacun en croise les doigts en mettant la traviata et en allumant le gaz euh, pour avoir une autre vie. <laughs> tu vas idée Ok. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Tu t'en vas d'un endroit en toi auquel tu t'as pas besoin de dire au revoir. Juste tu t'en vas, tu tournes le dos à un doute que tu avais sur toi, sur le monde, sur la vie, sur les choses, sur les gens, sur les résultats que tu voulais être garantie pour pouvoir faire un pas ou un autre ou tu vois ou t'autoriser à être davantage toi en faisant les pas que tu voulais faire. Il est possible que tu reviennes sans dire bonjour, mais tu seras plus la même, tu seras plus le même. C'est ce que j'ai pour toi ici. Si tu veux en savoir un peu plus sur ce roi de l'épée, si tu l'as reconnu, ou sur toute autre personne euh, sur euh, laquelle tu pourras avoir besoin de clarté pour pouvoir justement euh, grandir en émancipation par ton discernement, tu peux prendre une lecture relationnelle sur www.thecosmicjoker.fr. Je serai honoré de te la faire. Mais si tu t'arrêtes là, je t'embrasse très fort et je te dis à plus tard pour d'autres manifestations comme celle-ci. C'était The Cosmic Joker et que Dieu te bénisse.